Good afternoon. Bonjour, mesdames et messieurs. Au cours des 10 dernières années, plusieurs gouvernements occidentaux ont adopté de nouvelles lois ou renforcé des lois déjà existantes pour criminaliser l'aide donnée aux organisations terroristes. C'est très logique. On le comprend, c'est une manière d'essayer d'enrayer les attaques terroristes dans le monde entier, mais malheureusement, ces lois ne font pas la différence entre le soutien volontaire et involontaire aux groupes terroristes. Donc, n'importe quel objet ou service qui se retrouve entre les mains d'un groupe qui figure sur la liste des terroristes pourrait attirer des ennuis au groupe qui a offert ce service. Et c'est un problème grave pour les associations humanitaires, car beaucoup d'entre elles ont envie de travailler dans des zones qui peuvent parfois être sous contrôle d'un de ces groupes terroristes. Et aucune association humanitaire ne peut garantir que 100% de son aide parviendra à ceux auxquels elle est destinée. On voit cela, par exemple, dans les régions contrôlées par Al-Shabaab en Somalie. Certaines associations humanitaires n'essayent même plus de négocier l'accès. Cela soulève des problématiques encore plus importantes, celles des conséquences non voulues de l'action humanitaire et la réaction des associations humanitaires. Car pour les associations humanitaires, les effets secondaires non voulus, comme la contribution à l'économie de guerre ou la légitimisation de certains groupes, tout cela est non voulu. Et très souvent, ces groupes ont utilisé l'aide à leur propre fin. Et très souvent, la criminalisation de l'aide à ses ennemis, à nos ennemis, est le revers de l'instrumentalisation de l'aide pour séduire les populations. Dans les deux cas, l'aide est utilisée comme une arme de guerre et ce sont les individus qui sont en détresse et qui ont besoin de cette aide qui en payent les conséquences. En Somalie, par exemple, nombreux sont ceux qui n'ont pas accès à de l'aide humanitaire et en Afghanistan, nombreux sont ceux qui ont été punis, attaqués parce qu'ils avaient reçu de l'aide de la part d'organisations qui cherchaient à les gagner à leur cause. Les humanitaires sont volontaires et involontaires. D'une certaine manière, ils se lamentent de ces conséquences, mais d'autre part, ils deviennent parfois partie intégrante de ce problème. Mais maintenant que nous commençons à faire face à de plus en plus de situations dans ce genre, par exemple au Pakistan, en Afghanistan et en Somalie, je pense que les associations humanitaires ont vraiment besoin de réfléchir à une approche différente. Il y a deux choses donc auxquelles les associations humanitaires doivent réfléchir aujourd'hui. D'abord, nous devons reconnaître qu'il y a un paradoxe fondamental au cœur même de l'action humanitaire. L'action humanitaire peut prolonger la guerre et avec la guerre, la souffrance. Précisément la souffrance que l'action humanitaire cherche à soulager. Un exemple de cela, c'est le geste de base qui consiste à ramener un soldat blessé du champ de bataille et à le soigner. Dans ce cas, c'est l'équipe chirurgicale de campagne qui travaillait au Darfour en 2008 pour le CICR. Il n'y a aucune loi qui interdit à ces soldats qui ont été soignés de retourner au conflit. Donc, en leur sauvant la vie et en les remettant sur pied, ils peuvent retourner sur le champ de bataille et donc prolonger le conflit. Pour les travailleurs humanitaires, c'est le prix à payer pour essayer d'injecter un petit peu d'humanité dans la guerre si inhumaine. Nous croyons fondamentalement qu'il vaut mieux prendre le risque de renvoyer un soldat sur le champ de bataille que simplement condamner ces soldats à mourir sur le champ là où ils sont tombés. Et heureusement, les gouvernements ont reconnu ça, car ils ont exonéré les secours médicaux de la criminalisation de l'aide aux terroristes. Mais il y a d'autres actions qui ne sont pas exonérées sous ces lois. Et il y a différentes manières dont l'aide humanitaire peut contribuer à la prolongation de la guerre. Je crois que l'exemple le plus extrême de ceci a eu lieu dans les camps de réfugiés du Rwanda en 1994, aux frontières du Rwanda, où les génocidaires eux-mêmes, les milices Interahamwe
et l'armée rwandaise ont utilisé les camps réfugiés comme arrière-base pour essayer de terminer le génocide qu'ils avaient commencé en avril de cette année-là. Ils ont contrôlé, ils ont pris les rênes des camps réfugiés, ils ont utilisé l'aide humanitaire pour contrôler la population. Les populations ne pouvaient pas retourner au Rwanda. Et ces génocidaires ont aussi trouvé le moyen de détourner de grosses sommes d'argent venues des efforts humanitaires. Mais ça, c'est vraiment un cas particulier. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres cas où on puisse vraiment dire que l'aide humanitaire prolonge la guerre. Lorsqu'on regarde les ressources financières et autres que les régimes alliés donnent à ces groupes, lorsqu'on pense au versement de la part des diasporas, lorsqu'on pense à la contrebande, le trafic de drogue et la piraterie, toutes ces choses sont une contribution bien plus significative à la continuation de la guerre. Les camps au Rwanda étaient vraiment une exception. Mais cela n'absout pas les associations humanitaires d'être sérieuses et de se poser sérieusement la question qui est en train de bénéficier de l'aide et est-ce que l'aide fait plus de mal que de bien. Et si on se rend compte que c'est le cas, et les Médecins sans frontières ont remarqué cela, par exemple, dans les camps des réfugiés rwandais, il est important d'arrêter l'aide. Je crois que si les associations humanitaires, au lieu de simplement prétendre de respecter les principes humanitaires, s'ils suivaient vraiment ces principes, s'ils étaient plus cohérents, la situation serait bien meilleure. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est que la neutralité, le principe de la neutralité est extrêmement important. Depuis le 11 septembre, bien des associations humanitaires ont rejeté le principe de neutralité. Ils ont choisi plutôt d'aligner leur aide sur les programmes politiques et militaires des gouvernements afghanistan, en particulier en Afghanistan et au Pakistan. Ce n'est pas la première fois que les associations humanitaires ont fait ça. À travers la guerre froide, de nombreuses associations ont eu tendance à aider des réfugiés avec lesquels ils avaient des affinités idéologique. Nous avons vu des organisations de droite aider les contrats dans les camps nicaraguains ou Honduras, et d'un autre côté, on a vu des organisations de gauche qui aidaient les sandinistes. Donc ce n'est pas quelque chose de neuf, mais une des choses que l'on a apprises sur les problèmes de prendre un parti ou un autre, c'est que les guerriers que l'on soutient un jour deviennent les chefs de guerre un petit peu plus tard. Et c'est une chose que les associations humanitaires ont compris. Ils doivent maintenant essayer d'ouvrir, d'avoir accès à ceux qui ont besoin de leur aide. La neutralité, ce n'est pas quelque chose qui est doté d'une supériorité morale. C'est simplement un outil pour pouvoir acheminer l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. La criminalisation de l'action humanitaire ou de l'aide en nourriture par peur qu'une partie de cette aide se retrouve entre les mauvaises mains, c'est immoral, à mon avis, mais c'est aussi mal avisé. Récemment, par exemple, sur le site du journal Le Guardian, une vidéo a été diffusée où on voit des représentants d'Al-Qaïda qui cherchent à gagner à leur cause les membres de la population somalienne en leur distribuant de l'aide. Donc on va voir ce genre de choses partout. Et on sait que ce genre de représentants d'Al-Qaïda, par exemple, n'ont pas vraiment le bien-être des bénéficiaires de cette aide comme priorité. Donc je pense que les associations humanitaires aujourd'hui doivent prendre une décision. Est-ce que l'aide doit être utilisée pour influencer ceux qui sont vulnérables ou distribuer seulement sur la base de notre humanité partagée. Les associations humanitaires ne peuvent pas, d'une part, se lamenter sur l'instrumentalisation et ensuite faire partie de ce système. Elles doivent prendre position et ensuite agir en conséquence. Je vous remercie.